rentre par cette porte-là. Puis, vous voyez la hauteur, ça a monté quand même, mais pas 20 cm, un peu plus. Hein. Les pompiers sont venus aspirer la cave et le garage de Simone. Au total, ils ont dû intervenir 350 fois, notamment sur le secteur de Montléry, Marcoussis et Arpajon. Il est arrivé un ouragan extraordinaire. Hein. C'était à la verticale presque l'eau. Hein. Moi, j'ai pas pu rentrer avant 5h30. Quoi. Puis quand je suis revenu, j'ai pas pu rentrer ma voiture parce qu'il y avait l'eau plein de garage. Aucune route n'a officiellement été totalement paralysée, mais ce matin, la pluie engorgeait encore certains chemins. La circulation était difficile. Les champs gorgés d'eau n'arrivent plus à absorber les précipitations. Ce garagiste a eu sa cave inondée. Il a pu reprendre son activité après le départ des sapeurs-pompiers. Lui aussi a été témoin de l'importance de l'orage. J'ai vu des bouches d'égout qui étaient, desquelles l'eau gerbait en fait. Et puis j'ai vu pas mal de camions de pompiers avec des pompes, des camions qui pompaient partout en fait. Même si l'alerte orange est finie, prudence, notamment sur les routes. Météo France prévoit encore des averses jusqu'à dimanche.